samedi 17 août. Je me suis rendue sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque, comme à mon habitude, pour une journée assez particulière. Il y avait une course où les légendes rechaussaient leurs bottes pour la bonne cause. Vous vous souvenez ces anciens jockeys qui nous ont fait rêver? William Mongil, même Michael Keenan avait fait le détour. Dominique Boeuf avec ses 4 cravages d'or. Petite séance de dédicace avec le président Jacques Ricou, Alain Badel, le gagnant de l'année dernière, Dominique Boeuf. Michael Keenan et Thierry Gillet, messieurs photos, merci beaucoup. Allez, direction le rond de présentation maintenant. Il y avait énormément de monde hier pour cette belle épreuve. Mademoiselle, vous allez jouer qui pour la course des légendes? Dominique Boeuf. Monsieur, vous allez jouer qui pour la course des légendes? Le 15, Keenan. L'association des jockeys en partenariat avec France Gallo nous ont invités à parier sur cette épreuve unique. Tous les bénéfices de ces enjeux ont été intégralement reversés aux jockeys en difficulté. Allez, c'est parti. Enfin, c'est plutôt l'arrivée. Et c'est William Mongil qui s'impose. William est entraîneur désormais en Allemagne, mais il court très souvent en France. Bravo William. Allez, direction le petit cocktail habituel. Et là, c'est notre parrain de la journée qui s'y est collé. Vous vous souvenez? Yves Saint-Martin, il était ravi d'être avec nous. La carte postale s'est terminée de ce merveilleux meeting de Dominique-Lucien Barrière. On se retrouve dimanche 18, à bientôt. N'oubliez surtout pas le Facebook et le Twitter de France Gallo et pour retrouver la Gazette sur meetingdedominique.com. Yves, merci beaucoup. D'habitude, j'embrasse les mascottes. À bientôt, bye bye. Je vous embrasse. À bientôt.